Alors, les enfants, qui n'a pas encore de coéquipier? Moi, monsieur. Nemo, comme toujours. Eh bien, Lucie, je crois que tu vas faire équipe avec... Nemo. Scala. Oh non, non, pas elle. Il est nécessaire d'apprendre à travailler ensemble, Lucie. Et toi, Nemo, tu as besoin de travailler tout court. Tu feras équipe avec toi-même. Vous avez la matinée pour rendre vos photos. Et surtout, n'oubliez pas d'inscrire votre nom sur l'appareil. Je compte sur vous, soyez originaux. Notre magazine Oh là là met en scène notre ville et ses habitants. Hé, Lucie, attends-moi. Je te signale qu'on fait équipe. J'ai déjà trouvé un super thème de reportage. Mes parents, oui, ils sont des stars. Alors je m'occupe de tout et toi, t'es mon assistant. Pourquoi c'est toi qui décides du thème de notre reportage? De quel droit t'es la chef? Je vais lui dire, moi, à la loupe, que tu veux pas faire équipe avec moi. On verra bien ce qu'il dira. Et je suis sûre que t'as même pas d'idée de reportage. D'accord, on tire au sort. Et celle qui gagne décide du thème. Face. Pile. Ouais, j'ai gagné. Attends-moi. Là. Tiens, t'es là, toi. Salut, petit monstre. Alors, comment ça roule aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qui te prend? Tu me dis toujours bonjour, l'affreux. Oh, ça va, quoi, si on peut même plus être sympa de temps en temps. Mais c'est vrai, j'ai aussi une bricole à te demander. Viens voir. Quoi? S'il te plaît. Oh, mais ça va pas, non? C'est trop dangereux pour toi. Bon, employons les grands moyens. Ça te dirait d'avoir ma cabane pour toi tout seul une journée entière? Oh, ils vont se montrer, oui ou non? Hé, hey, malpropre! Les poubelles, ça existe quand même! Kitou, je te rappelle que nous sommes déjà dans une poubelle! Oh, les voilà! Hé, hey, oh! Attends-moi! Ça pue la puanterie puante par là! Mais non, c'est ta mère! Ciel, mon pouilleux! Dis-moi quelque chose! Waouh! Dis donc, ça décoiffe cette lumière! Ah, encore! Là! Le qui pue, c'est lui! Oh non! Ah, encore, j'en peux encore! Ouais, ça crie, moi aussi, moi aussi! Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que tu fais? Rapproche-toi, tu vois bien que t'es trop loin. Fais-toi beau pour la photo, mon bijou. Fais tes yeux de braise. C'est bon, là. Je crois que papa est assez concentré. Allez, le clou du spectacle. Ma petite Lucie va être folle de joie quand je vais l'inviter à la cabane.
Aïe. T'as pas entré chez moi comme ça. C'est moi qui dois amener l'appareil. C'est moi la chef. Non mais tu délires, ça va pas. Dis donc, c'est pas triste ici. Tu pourrais faire un peu de ménage de temps en temps. Ah, le voilà. J'espère pour toi qu'il marche encore. Bon, t'as envie d'arriver en retard à l'école ou quoi? Allez! Quoi, déjà? Oh là là! Si Scala me voit sur la photo à tous les coups, elle va reconnaître la chambre de Lucie et tout le monde saura que j'habite chez elle. Oh! Je peux encore empêcher le désastre! Une fois les photos tirées, les meilleurs clichés seront imprimés dans notre magazine Oh là là. Nemo, encore en retard. Mais monsieur, je me suis fait attaquer par des monstres. Et c'est pour me faire croire ça que tu as déchiré ta chemise? Mais je vous jure, c'est vrai monsieur. Ils m'ont attaqué pour me voler mon appareil photo. Ça suffit. Ce que je retiens dans cette histoire, c'est que tu n'as pas fait ton reportage. Allez, dehors les enfants, c'est la récré. Quant à toi, tu vas rester pour travailler avec moi. Je suis sûr que Monsieur le maire ne m'en voudra pas de faire de lui une vedette de magazine. Oups, voilà un grand plan qui risque de faire peur à nos lecteurs. Je l'écarte de ma sélection. Qui a pris cette photo? Mais c'est l'appareil de Lucie et Scala! C'est du jamais vu! Où ont-elles pu photographier ce monstre? Qui tout? La photo! Et l'affreux, tu vas m'attirer des ennuis! Les négatifs sont foutus! Cette photo a une valeur inestimable, Lucie. Dommage que Scala ne soit pas là pour voir ça. Ah, joli travail, Nemo! Et la photo? J'espère pour toi que tu n'as pas... Ah, la voilà, intacte. Entre nous, je brûle de savoir où vous avez photographié ce monstre. Oh ben... Allez, dis-le-lui. Pour une fois, je vais répondre à ta place. Cette photo a été prise à la décharge, monsieur Laloupe. Ah, je le savais! Pas une seconde à perdre. Il faut que je fonce là-bas pour mettre la main sur ce spécimen. Je dois retrouver Scala pour lui remettre les photos. Elle s'occupera de la mise en page et je compte sur vous pour la seconder, compris? Qu'est-ce que t'as encore fait, toi? C'est pas le moment de vous disputer, y a urgence, tu crois pas? Toi qui tout, tu vas t'occuper de la loupe à la décharge. Et nous, on va faire disparaître la photo. T'as avalé ton éclair? Hop là! Hey, les pourritures! Attention, Mirette! Le feu d'artifice va reprendre! Le maire qui apprend à nager! Oh là là, toutes ces stars de l'île à ville! Tu sais, Scala, je suis sûre que tu peux boucler le magazine toute seule. Tu en es capable. Ben oui, normal. C'est moi la rédactrice en chef, je te signale. C'est seulement une question de savoir-faire. Petit, petit, petit. Où es-tu, mon petit? Où es-tu? Coucou. Oh, ça alors. Mais c'est celui de Nemo. Avec en plus des empreintes de monstres. Il disait donc la vérité. Petit, petit, petit. N'aie pas peur. Allez, t'attends quoi là? Le pestac. C'est parti la compagnie. Tenez-vous prêts, le jeu arrive. Bande de têtes de mule, laissez-moi une place. Le pestac.
potiche grandeur nature. Non, ça colle mieux en légende, une potiche dans son jardin. Suivante. Arrêtez de pousser et ça va commencer. Oui. Petit, ça ne sert à rien de te cacher si tu crois que je n'entends pas. Ah, le voilà. Maintenant, le meilleur pour la fin, la couverture avec la photo de mon papa. Tu me la passes, Nemo? Ça ne va pas, monsieur Laloux? On conspire contre moi! Je veux savoir où est passé le monstre! Hé, ah. Hey, c'est mon appareil photo! Non! Non, plus de photos! C'est fini, je ne veux plus entendre parler d'appareil photo! Kitou! Les filles ne sont pas autorisées à rentrer chez moi, sauf si c'est moi qui l'ai décidé! Est-ce que t'entends? Kitou! Kitou! Hein?